Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions logarithmes. L'exercice, c'est un examen. Plus précisément, c'est l'examen normal 2011, session normale pour les bacs sciences mathématiques. Bon, l'exercice est constitué, ou bien le problème est constitué de parties, la première partie. Dans cette partie, on va étudier les solutions positives de l'équation E. E du x est égal à x puissance n et n'appartenant à une étoile. On considère la fonction. On considère la fonction f définie sur d qui est égal à l'intervalle 0, 1 et 1 plus infini. Définition du par f de x est égal à x sur l'n de x si x est différent de 0, f de 0 est égal à 0. Bonsoir, si c'est pour plus attentif, nous avons perdu ton nom et origine. Vérifie que porte x appartient à l'envers 0, 1, union 1 plus infini. On a x puissance n est égal à e est équivalent à n est égal à f de x. Bon, xn, u de x. E de x est égal à x puissance n. Bon, l'équation E, si xn est égal à u de x, n appartenant à une étoile. Voilà. Bon, on a u de x est égal à x puissance n est équivalent à x il est strictement positif. Donc on peut écrire x puissance n si x n l'aide de x. E de x est égal exponentielle n x puissance n. Bon, x puissance n, c'est une quantité qui est positive car x appartient à l'intervalle ouvert. Bon, appartient à un domaine tel que 0, 1, union 1 plus infini où x est positif. Donc, est équivalent à e de x est égal à exponentielle n ln de x est équivalent donc la fonction
exponentielle est une fonction bijective, donc une adjective, donc on aura x est égal à n ln de x. Et comme x est différent de 1, car x appartient à la réunion donc ln de x est différent de 0, donc est équivalent, donc c'est équivalent, c'est équivalent. On va diviser x sur ln de x est égal à n ln de x sur ln de x est équivalent donc à n est égal à x sur ln de x et est équivalent donc n x sur ln de x n'est rien d'autre que f de x est équivalent à f de x, n est égal à f de x. D'où bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus infini, bon, xn est égal à en est équivalent, bon, e de x, pardon, est équivalent à n est égal à f de x. Voilà pour la première question. Bon, pour la deuxième question, montre que f est dérivable à droite en 0. Montrant que f est dérivable à droite en 0. Bon, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Quand x tend vers, pardon, 0 plus est égal à la limite de f de x, f de 0 c'est 0, sur x quand x tend vers 0, mais x supérieur à 0, qui est égal donc à la limite de f de x, pardon, c'est x égal de x. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0, qui est également la limite de x sur ln de x multiplié par 1 sur x. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0, on simplifie par x. Qui est égal donc à la limite de 1 sur ln de x quand x tend vers 0. Plus est égal à 1 sur moins l'infini c'est 0, car limite de ln de x, pardon, de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. 1 sur moins l'infini c'est 0. D'où limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, pardon, quand x tend vers 0, plus est égal à 0 qui appartient à R, donc il est fini, la limite est finie, donc F est dérivable à droite en 0, F plus droite de 0 est égal à 0. Bon, on peut interpréter ce résultat, même s'il n'est pas demandé, on peut interpréter ce résultat graphiquement. Donc, graphiquement, bon, c'est la courbe de FC, la courbe représentative
Ou alors, vous représentez tous les élèves. Admi. Une demi-tangente. Horizontale. Au point. Au point, pour l'origine du repère, de coordonnées 0, 0. À droite. Voilà question 3. Calculer les limites suivantes, on va calculer les limites en calculant. X grand vert, 1 moins. Limite de f de x, quand x tend vers 1 moins, est égal à limite de f de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, qui est égal à limite de x sur l'aine de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, qui est égal à limite. Bon, quand x moins est égal à la limite du x moins x tend vers 1, x inférieur à 1, pardon, sur limite de ln du x quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Bon, cette limite est égale à l'infini. En effet, limite de x quand x tend vers 1 x inférieur à 1 est égal à 1 et limite de ln de x quand x tend vers 1 x inférieur à 1 est égal à 0 moins. C'est égal à 1. Bon, votre limite de f de x quand x tend vers 1 plus c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers 1 mais x supérieur à 1 qui est égal à la limite de x sur ln de x quand x tend vers 1 mais x supérieur à 1 qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 sur limite de ln de x tend vers 1 plus pardon. Cette limite est égale
Bon, 1 sur 0 plus, si plus infini est égal à plus infini, en effet, limite, quand x tend vers 1 plus est égal à 1, limite de ln de x quand x tend vers 1 plus est égal à 0 plus, oui, donc, limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à plus infini. Bon, graphiquement, si le f qui est ici, la courbe, c'est admis une asymptote, pour un valeur de delta, d'équation x est égal à 1, à droite, bon, notre limite, limite de f de x quand x tend vers 1. Limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal à la limite de x sur ln de x quand x tend vers plus infini qui est égal à la limite de 1 sur ln de x sur x quand x tend vers plus infini qui est égal à 1 sur. Bon, cette limite ln de x sur x quand x tend vers plus infini tend vers 0, plus précisément il tend vers 0 plus, donc cette quantité est égale à plus infini. Égale à plus infini. En effet, limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 plus. Bon, maintenant on calcule les limites, calculant limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite de x sur, pardon, bon, de ln de x sur x, bon, pardon, c'est x sur ln de x, ça va bien. X sur ln de x tout sur x quand x tend vers plus infini est égal à la limite de x sur ln de x multiplié par 1 sur x quand x tend vers plus infini, bon, est égal à la limite de 1 sur ln de x tend vers plus infini qui est égal à 1, qui est égal à 0. En effet, limite de f de x, bon, de ln de x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Plus infini, pardon, j'ai un plus infini. 1 sur plus infini, c'est 0. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Alors, si admis une branche parabolique de direction, voie de direction, l'axe des abscisses. L'abscisse de voisinage. Bon, la quatrième question.
question étudie les variations de la fonction f sur chacun des ensembles que donnés, le tableau de variation. Bon, étudions les variations. Plus infini, on a
f' du x est égal à ln du x moins 1 sur ln du x au carré. Bon, f' du x est égal à 0 est équivalent à ln du x, mais applique ln du x sur ln du x au carré est égal à 0. Bon, applique ln du x moins 1 est égal à 0. Applique ln du x est égal à 1, cela implique que x est égal à 1. Donc, si x est supérieur à 1, implique ln du x est supérieur à ln de 1 qui est égal à 1, est équivalent à ln du x moins 1 est positif. Donc, pas de variation. X, bon, 0, 1, 2, plus l'infini, f' du x, bon, f du x, bon, c'est x supérieur, ici f' de u égale à 0. C'est x supérieur à e, f' est positif, c'est x est inférieur à e, f' est négatif. Donc, 0, f de 0, c'est 0. Limite de f de x en tombe à c'est moins l'infini. Limite de f de x en 1 à x tend vers 1 plus c plus l'infini, f de e. F de E n'est rien d'autre que E sur ln de E, donc est égal à 1. Voilà, au tableau de variation de la fonction. Maintenant, on va montrer que 5 montre que la propriété a donné un point d'inflexion. 5 montrant que la courbe si admis un point d'inflexion. Donc il suffit de calculer la dérivée seconde. Donc on cherche le point où il s'annule en changeant le centre, en changeant les signes. Ce sont les points de d'inflexion. Bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, il y a 1 plus infini, on a f' de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Bon, les deux fonctions. X qui est associé ln de x moins 1 et x associé ln de x au carré sont dérivables sur bon, x associé ln de x moins 1 n'est pas dérivable en 0, car il n'est pas défini en 0. Et, quel que soit x appartenant à 0, 1 et nu 1 plus infini, x est différent de 1, donc ln de x au carré est différent de 0. Alors, f' du x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Alors,
f' est dérivable sur bon, f' est dérivable sur 21, bon, sur plus l'infini, car c'est le quotient de fonction dérivable sur ce domaine. Et quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, on a f' de x, bon, prime de x est égal à la dérivée seconde de x, bon, qui est égal à f', nous avons aussi ln de x moins 1 sur ln de x au carré prime, qui est égal donc, le dérivé d'un rapport, c'est ln de x moins 1. Prime ln de x au carré moins ln de x au carré prime multiplié par ln de x moins 1. Pardon. Le tout sur ln de x au carré, le tout au carré. Donc, il est égal à la dérivée de 1. La dérivée de 1, c'est 0. Ln de x, c'est 1 sur x. Donc, 1 sur x. Ln de x au carré. Moins ici, 2. Ln de x prime multiplié par ln de x, facteur de ln de x moins 1. Le tout sur ln puissance 4 de x. Voilà. Qui est égal donc la dérivée de 2. Donc c'est 1 sur x, ln de x au carré, moins 2 sur x, ln de x au carré, plus 2 sur x, ln de x. Sur ln puissance 4 de x qui est égal, bon, c'est moins ici moins 1 sur x, ln de x au carré, plus 2 sur x, ln de x sur ln puissance 4 de x, qui est égal donc, on va factoriser par 1 sur ln, donc il nous reste moins ln de x, moins ln de x, plus 2 sur ln de x puissance 4. Bon, x est différent de 1, donc ln de x est différent de 0. Bon, f seconde de x est égal à 0, est équivalent donc 1 sur x ln de x, facteur de 2 moins ln de x sur ln puissance 4 de x est égal à 0. Comme ln de x est différent de 0, car x est différent de 1, alors est équivalent à 2 moins ln de x est égal à 0, est équivalent à
A du est égal à l'un de x est équivalent donc à e au carré est égal à x. Bon. Au voisinage, le e au carré, on a 1 sur x, l'un de x, et le positif, i, du moins l'un de x, change du signe à gauche et à droite du e au carré. Donc, le point où on va noter A, le coordonné E au carré, F de E au carré, est un point d'inflexion du C. Bon, c'est un point d'inflexion. Bon, 6, construisons la courbe C. Bon, on construit la courbe C. On va travailler sur, on va travailler sur 0 plus infini. Bon, pour le point d'inflexion, nous avons des points qui sont très élevés. Donc, on va diminuer les gradations. Alors la courbe a diminué
ensemble tot verticaal. Bon, feu au carré. On a besoin de feu au carré. Pardon. Pour recalculer. Bon, 7,4. Bon, je sais pas, 2. C'est 3,7. Bon, si 2,7 c'est à peu près ici, son image 2,7, si E, oui. Sur le point OF, on s'échange de concavité. Au carré sur 2. Ici, il y a une demi-tangente. Ici, ici, une tangente. Donc, sur l'intervalle 0,1.
s'échange avec ici. On va laisser le camp C. Bon, maintenant on passe à l'autre question. Voilà, question 7. Montrant 7. Montrant que si n supérieur à 3, alors admet exactement deux solutions. A de n supérieur à 3 plus B de n supérieur à 3 tel que A de n supérieur à 1 et inférieur à 2 et plus de n supérieur à 1. D'accord. On a x appartenant à E. Bon, x est solution de E, pardon. Xn égale à x. N appartenant à n étoile est équivalent donc à n est égal à f du x. On a n supérieur ou égal à 3, donc n est supérieur à e car 3 est supérieur à e. F est continu. Et dérivable sur le plus infini. Et bon, il continue et sélection croissante, pardon.
F est continu. F est continu. I, strictement, croissante sur le plus infini. Et comme n appartient à E plus infini, car n est supérieur à E, alors n appartient à f de E plus infini. Cela implique qu'il existe b de n appartient à E plus infini, tel que f de b de n est égal à n. Ceci est faux car n est supérieur, supérieur ou égal à 3, donc n est supérieur strictement à 1. Donc, il existe B du n appartenant à 1. Plus infini tel que f de b de n est égal à n, c'est-à-dire que l'équation sur un E
centre, donc il est égal à f de e, mon limite de f de x fois x tend vers 1 plus f de e sur e plus le limite lorsque x tend vers 1 plus est égal à plus infini. Et comme elle appartient à e plus infini, car n se fait le regard à 3 qui se fait le tour à e, alors n appartient à f de 1 f de 1 e, cela implique qu'il existe un unique AM appartient à AE tel que f de AN est égal à N. Bon, AN est différent de E, sinon on aura N est égal à E, c'est faux. Voilà pour cette question. Bon, pour cette partie, maintenant, on passe à la deuxième partie.